Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, c'est parti, on attaque le deuxième épisode de l'ultime saison. Je vais prendre sur moi, je vais l'appeler la saison 13 malgré tout, quitte à me porter la poisse pendant l'épisode. La saison 13 de 2013, c'est fait, ça c'est dit, je suis tranquille. Allez, le texte au défi, il n'y en a pas. Merci à Mister X, Pète le Feu, Bertie et Diz. Ce sont d'ailleurs que des chefs de projet, hein. Ce sont chefs de projet à chaque fois. Ces personnes-là ont eu au travers les deux années et demie de Minecraft Hardcore un projet à mener. On a Mister X qui s'occupait par exemple du tome de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Pète le Feu qui est toujours à l'heure actuelle en poste. On a Bertie qui s'est occupé de Je suis une légende 2 et disparaît. Il s'occupait aussi de Pirates des Cuboïdes et du Seigneur des Anneaux. On les remercie. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on y retourne. Voilà, ça charge. Alors, 4h du matin. Donc, on va profiter du jour. Je vois un pseudo là-bas, mais c'est sûrement un PNJ gentil. Ouais, c'est un PNJ gentil. On va profiter du jour pour collecter des ressources, avancer dans notre forteresse. Et la nuit, on ira miner. J'ai énormément de choses à faire. La première chose à faire, c'est sécuriser l'ensemble de ma forteresse. Alors, il va falloir que je coupe du bois. Il va falloir que je collecte du charbon. Là, je prends tout ça. Donc, le bois, c'est plutôt pas mal. On va évidemment en reprendre encore. Anticiper, on va prendre ça. On va le mettre là. 5h, le jour se lève, on y va. On avait un loup ici, je crois. Petit loup. Ah, il est juste en bas. Vous savez quoi, on va le laisser en bas. Alors, dehors, il y a un ours, il y a des dragons. Là-haut, on a pas mal de PNJ. C'est bon. Allez, venez là, les vaches, donnez-moi du cuir, je me méfie. Là-haut, un dragon. Oh, le dragon qui... C'est pas, il s'est peut-être fait bouffer par l'ours. Bon allez, c'est parti. Objectif, sécuriser le périmètre. Pour ce faire, j'ai besoin d'une forteresse digne de ce nom. Il me faut du bois et du charbon. C'est l'objectif des premières minutes de cet épisode. Oh là là, il y a une énorme galerie ici, il faudra que je l'explore. On a un ogre là-bas, ici on a de l'or. C'est parfait pour se faire une épée en or. Tiens, pour les loups-garous. Ça c'est bon. Là-bas, on a des tigres, ils sont hostiles, on va leur foutre la paix. Je suis pas coursé, allez, on y va. On y va, on collecte un peu de bois. Alors, le bois, c'est pas le plus urgent, même si c'est important. Je vais peut-être avoir plus de mal à trouver du charbon. Quoi qu'ici, il y en avait du charbon. Tiens, il y en a là-haut, parfait, on ira le prendre. Alors que je pense à replanter aussi derrière moi, ce serait pas mal. On va replanter parce que j'aurai sûrement pas assez de bois. Et un homme chien juste à droite. Il grogne, on l'entend, il grogne. T'as un Mike dans M2H. Il grogne. Il me grogne dessus, comme quoi. Hein. Même là, je suis pas à l'abri. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Je sais pas trop ce que c'était. Oui, le chien, gentil. Pas tapé. Sois gentil avec bon maître. Alors, dans la trilogie, j'avais du Gollum. Et dans cette saison finale, j'ai un chien. Alors, j'aimerais bien... Oh, je vais pas m'emmerder à tout déraciner. Tant pis, ça va vous faire râler un peu. J'en profite, c'est la dernière saison, donc je peux me le permettre. Si je peux vous faire râler, j'hésiterai pas. Et je vais vous faire râler, puisque c'est un arbre géant, et j'ai décidé de ne pas le déraciner en entier. Et oui, je suis cruel, je sais. C'est comme ça, ça arrive. Allez, j'en prends encore un dernier, puis on bascule sur autre chose, parce que je vais pas non plus vous saouler tout le temps avec la coupe de bois. Un petit dernier ici. Hop là, ok, super. Pioche. Ouh, il y a du fer ici. Je l'avais pas vu, tiens, génial. Ça va être donc la priorité quand il fait jour, c'est assurer la sécurité de notre forteresse. La priorité quand il fait nuit, c'est d'aller miner pour trouver des ressources, notamment du fer. Voilà un peu la priorité de cet épisode. Je vais prendre mon temps parce que c'est la dernière saison, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de dire ça. J'ai envie d'aller loin. J'ai envie de réussir tous mes objectifs. Et j'ai surtout envie de finir sur une victoire. Soyez sûr que il n'y aura pas de gruge ou quoi que ce soit. Si je meurs au 7ème épisode, il n'y aura que 7 épisodes dans cette saison. C'est pas grave. Ça fait partie des règles du jeu. Mais je vais essayer de tenir le maximum de temps possible. S'il y aura 40 épisodes, il y en aura 40. C'est pas très grave. Moi, ça ne me dérange pas en tout cas. C'est le final, c'est la fin. Il faut que j'en profite, même si l'aventure continue sur un nouveau concept. Ça reste quand même un moment assez nostalgique.
que je suis en train de vivre. C'est vrai que je me revois il y a 2 ans de cela, dans ma saison 1. C'était une autre époque. J'étais tout jeuneau à l'époque. Ah, j'avais même pas 30 ans, tiens. J'étais en dessous les 30 ans. Aujourd'hui, je suis vieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un mouton, je vais aller le déglinguer. Il n'y a pas de tondeuse, hein, faut le savoir. Ça n'existe pas dans cette version. Je t'ai entendu, toi. Attention, combat titanesque. On va se mettre sur un terrain plat. Ça va être beaucoup plus facile pour l'affronter. C'est parti. Il saute, il est hardcore. Hein. Il est hardcore. Hop, il se laisse pas faire. Voilà. En plus, il donne des flèches. C'est parfait. Ici, il y a du cuir. Toc, toc, toc. Toc. Oh! Il serait peut-être intéressant de replanter. Yes! On va replanter, tiens. Toc, toc, toc. Voilà, comme ça, si j'ai besoin. Qu'est-ce que j'allais? Oui, j'allais pour le mouton, là-bas. Donc, je vous disais, il n'y a pas de tondeuse. Et il faut que je donne un bon coup d'épée dans la tronche du mouton pour collecter sa laine. Alors... Tu veux pas descendre le mouton? Allez, viens. Voilà. Donne-moi ta laine. Super. Qu'est-ce qu'il y a par là? Tiens, j'y suis jamais allé. Il y a du charbon. On va y aller. Ok, ok, ok. Il doit y avoir pas mal de galeries en dessous. Allez, va. Oh, j'ai cru entendre un bruit bizarre. C'était un chien, je crois. Voilà, c'est bien un chien. On va pas être loin. J'ai toujours peur de me retourner par rapport à Aerobrin. Je vous ai fait une petite frayeur dans l'épisode 1. Je vous la referai pas dans l'épisode 2, je suis gentil. Mais Aerobrin est parmi nous, il se cache. Il peut surgir derrière moi n'importe quand. C'est très dangereux ce que je viens de faire. S'il y avait de la lave au-dessus, bon, très très peu de chance d'y en avoir, mais on ne sait jamais. Ok, allez, on va aller éclairer un peu toute notre forteresse. Il est quelle heure? 11h30, c'est bon, on a le temps. Objectif, donc je vous ai dit assurer la sécurité le jour. On va donc poser tout simplement des torches un peu partout autour de notre forteresse pour assurer un peu la sécurité. On se méfie des gros chats sur la droite là. Ça me rappellera une 2H. Alors là c'est bon, eux ils sont gentils, ils assurent ma sécurité. Donc il y a une galerie là-bas, on l'a vu. Il y a un clochard, alors la question du clochard, est-ce que je lui donne une barre de fer? Je crois que les clochards peuvent donner des diamants mais ils sont très très rares. Ceci dit, s'il m'en donne un jour, je serais bien content. Voilà, il y a une immense galerie. Là aussi, il y a du zombie, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de quoi faire là-dedans. Allez, on y va. On se fait des torches. 16. Voilà, on va mettre un stack entier de torches au sol. Et on y va. Ça, c'est pour la sécurité de ma forteresse. Je vais en dépenser pas mal, mais tant pis. Hop, 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 hop. Alors, c'est pas les moments les plus agréables hein, de Minecraft Hardcore, mais je commence à y prendre goût, effectivement, à tous ces trucs de construction. C'est peut-être parce que c'est la fin, et je me dis que c'est la dernière fois que je fais tout ça. Mais en tout cas, ça me plaît bien. Je vais prendre mon temps dans cette saison. Ouais, il y a baston de Blorp et de bandits. On va aller défendre le Blorp. Pauvre Blorp qui s'est fait déglinguer. Il nous a filé une canette. Les canettes qui restaurent des points de vie, si je dis pas de bêtises. On va en boire une, tiens, pour voir. Voilà. Voilà, des petites canettes de Blorp. Ça fait plaisir, ça fait du bien par où ça passe. Désolé les vaches, mais il y a du cuir. Et le cuir, j'en ai clairement besoin. Voilà, super. Allez, on continue d'éclairer. J'en mets vraiment partout, comme ça je serai tranquille. Ici on a une galerie. Quelle heure? 14h, j'aurai pas forcément le temps de poser les le bois. Des remparts de bois, on va peut-être poser un mur malgré tout. Ouais, j'en ai partout, 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 partout. Hop, 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 hop. Hop, ok, allez, avant que la nuit ne tombe, on va poser au baston entre un chien et un bandit là-haut. On va poser un rempart. On va poser un rempart, on va poser celui-là. Alors c'est des remparts en bois, c'est voulu, hein. La logique voudrait effectivement que je pose des remparts en pierre. Mais c'est petit clin d'œil à la saison 2, pour ceux qui l'ont vu. J'avais des remparts en bois,
et j'avais comme objectif d'entourer ces remparts de lave. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ce qui devait arriver est arrivé, pardon. Tout a pris feu. Voilà, ma forteresse a pris feu. Et du coup, pour faire un petit clin d'œil, je réitère l'objectif. Sauf que cette fois-ci, donc il y aura bien des remparts de lave. Et il faudra que je trouve le moyen pour pas que ça brûle. Voilà un peu les différents objectifs. Ok, on a fait un mur. On fera ça au fil du temps. On fera ça au fil du temps. Il y a encore un mur à faire là-bas. Il faut que je collecte de la terre. Ouais, j'en ai un peu. Cette terre qui va me permettre donc d'aplatir tout ça. Je pose un peu de lumière ici. Il faut vraiment un terrain plat. Et ils viendront se greffer dessus mon temple souvenir. Temple souvenir qui est le fil conducteur de cette saison. Qui est assez immense à l'intérieur. Il y aura beaucoup de choses. 4 heures, je vais juste. Oui, il y a un bandit ici. On va juste collecter un peu de terre là-bas très très rapidement. Fait courser ou pas? Non. Voilà, je prends un peu de terre. Il y a de la vache. Il y a de la vache, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Tiens, viens là, toi. Voilà, je prends de la laine. J'ai besoin de beaucoup de laine dans cette saison. Une bonne centaine. Donc j'anticipe tout de suite. Ok, super. Allez, on va poser les 30 blocs. Et puis on va aller s'enterrer pour la nuit. Puisque j'ai besoin de faire. Tu veux pas dégager, toi? Dégage. Regarde, tu me prends toute la place, là. Arrête. En plus, il me pousse et regarde, je fais poser des blocs à. On a frôlé la catastrophe. Puisque j'étais à deux doigts de donner un coup d'épée sur ce type. Repassez-vous la séquence, vous verrez. J'étais à deux doigts de donner un coup d'épée sur le type. Et c'est exactement comme ça que je suis mort dans la saison 1. En tapant un PNJ gentil. Quand vous tapez un PNJ gentil, il devient hostile. Et il vous fout une branlée mais mémorable. Et c'est... On a frôlé la catastrophe, hein, je vous le dis. C'est pas possible, il est où? Ah non, c'est la flèche. Ok, d'accord. Bon, ok, ça marche. Ici, bah vous savez quoi, on va en profiter. Alors, j'ai pas besoin d'énormément de cuir. Ça fait partie des objectifs de cette saison de faire un coffre avec 32 cuir. Je crois que c'est le défi de la trilogie Seigneur des Anneaux. Où il faut que je crafte l'équivalent de 4... Attendez, j'ai 13 torches. L'équivalent de 4... mince. De 4 sacs à dos. Donc 32 cuir. Voilà, dans le temple souvenir, ce qu'il faut que je fasse, un coffre avec 32 cuir. Donc ici, on est d'accord, il n'y avait rien. Toute cette zone-là ne sert à rien, je pense qu'on va là. On va la clôturer, voilà. Hop, ok. Qu'est-ce que c'est ici? Ah oui, c'est mon passage secret pour rejoindre la galerie. Il y a une galerie souterraine là-bas. Ok, donc c'est pas mal. Hop, on va faire fondre notre fer. Pas trouver des masses, mais je vais trouver un peu quand même. La bouffe, c'est bon. Il faut que je casse un peu la croûte d'ailleurs, tiens. Voilà, parfait. En termes d'armure, on est plutôt pas mal. Il me manque un casque, je ne pourrais pas le faire. Le coffre à merde. Ok, champignons, pas besoin de faire de soupe. Graines, ah, graines, j'en ai besoin. Je dois en avoir besoin pour mon jardin. On va le mettre quand même là-dedans. La laine, je la mets là-dedans. Il faudra que j'organise un peu mes coffres, c'est pas gagné. Bon, Herobrine, tu me fais pas flipper. 1, 2, 3, 4, ok. Allez, mission, 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 mission. Oh, il est 13h13 chez moi, ça fait flipper. Hein. 13h13, saison 13 en 2013, c'est pas gagné. Hop, voilà. Mission, mission, mission. On va explorer une galerie souterraine pendant toute la nuit pour collecter énormément de fer. Il reste 2 minutes à cet épisode. On va commencer. Vous voyez, il y a un pseudo tout en bas, là. Ce qui veut dire qu'il y a une immense galerie souterraine juste sous mes pieds. Et c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, évidemment. Je vais me refaire des torches. Toc, toc. Je vais me refaire quelques torches. Ça suffira pas. Il m'en faut plus. Toc, toc. Toc. Oh, j'entends un loup. Il est pas loin, d'ailleurs, le loup. Voilà, il est juste au-dessus. Petit, petit. Ok, c'est très très grand. Allez, dépêche-toi. Pas ça. Ok, super. Donc ici, c'est sécurisé, je crains plus rien. Hop, on met une petite loupiote. On va aller par là.
Je vois pas grand chose, encore une fois, je vais hop, baisser les stores chez moi. Voilà. Et on y va là-dedans. Oh là là là, c'est flippant. Pas de ressources. Petit petit. Si tu pouvais arrêter de me gueuler dans les oreilles, on en est où par rapport au son? On va le baisser un tout petit peu. Oh, il fait jour ici. Non, il fait jour. N'importe quoi, je dis il fait jour. Ça donne vers l'extérieur, c'est ça que je voulais dire. Ok, donc c'est une impasse. Une vraie cette fois-ci. Même là, c'est ouvert. Hop, voilà. Le souci, c'est qu'il n'y a pas du tout de fer. Il n'y a que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. 13h15, ok, allez, on va arrêter la première partie de l'épisode, on est à 15 minutes. On bascule tout de suite pour la seconde partie de l'épisode dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas d'enclencher la HD, tous les épisodes sont disponibles en HD. Il faut l'activer manuellement par contre, ce n'est pas d'office. Et ça vous permettra d'obtenir des vidéos de qualité. A tout de suite pour la seconde partie.